C'est l'Espagnol Gemma Mengual qui certes a de jolies qualités mais qui est loin, très loin du niveau de Brusnikina ou de Virginie Dodieu. L'Espagnol qui nous vient de Barcelone qui s'est classé 5e des préliminaires avec notamment une 4e place dans le programme libre. Gemma Mengual, la Barcelonaise, nous avait habitués à des airs un petit peu plus entraînants. Elle devrait se classer aux alentours de la 4e place. Je ne vois pas comment elle pourrait venir inquiéter la Russe et la Française qui sont pour le moment installées sur les deux premières marches du podium. Gemma Mengual, la championne d'Espagne en titre dans les trois catégories, solo, duo et l'épreuve par équipe. Au début d'année, elle s'était classée 10e des championnats du monde dans cette discipline.
Alors si elle veut monter sur le podium, il faut faire mieux que Giovanna Burlando, l'italienne, c'est-à-dire mieux que 95,800 points. Le suspense ne va pas durer longtemps. Le coup de sifflet, cela veut dire que les notes vont arriver d'une seconde à l'autre. Avec des 9,4, 9,6. C'est un petit peu moins bien que Giovanna Burlando, l'italienne. En ce qui concerne les notes techniques, voyons maintenant les notes artistiques. Là aussi, une moyenne de 9,5. Et bien voilà, avec 94,600. Elle échoue au pied du podium, l'Espagnole Gemma Mengual, derrière l'Italienne Giovanna Burlando. La victoire va donc une fois de plus à la Russie, par l'intermédiaire de Olga Brusnikina, devant la Française Virginie Dedieu et l'Italienne Giovanna Burlando. Gemma Mengual, vous l'avez vu, finissant elle quatrième, c'est-à-dire que la hiérarchie respectée lors du programme libre des préliminaires a été respectée. La Russie et la France qui sont vraiment les deux pays qui dominent en Europe et qui l'ont prouvé une fois de plus. Et la Russie qui décidément est vraiment très 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 brillante. Voilà le classement final avec la sixième place de la Suissesse Madeleine Huppert pour nos amis suisses. Alors on retrouvera quasiment toutes ces jeunes filles dans l'épreuve de duo et dans l'épreuve de ballet. L'épreuve de duo que nous suivrons ensemble dimanche avec l'épreuve de ballet.